Dis papa, qu'est-ce qu'on dessine dans le carnet ? Au programme, musée, fouilles archéologiques, mais aussi balades et visites d'une réserve naturelle. C'est chargé, dis donc. Je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Nous partons pour Andenne, en province de Namur. J'espère que t'as pas peur des ours. Sérieux ? Des ours ? Eh oui, Andenne est la cité des ours. Tu vas comprendre pourquoi. En attendant, commençons notre visite par le phare. Depuis la terrasse du 5e étage, on a une vue panoramique sur l'écoquartier d'Andenne et les paysages de la cité mosane. Et à l'intérieur, il y a notamment un musée. Et il y a quoi dans le musée ? De la céramique et les trouvailles archéologiques réalisées dans la grotte Skladina, qu'on pourra visiter si tu veux. Et la réserve naturelle ? Ah bien sûr, c'est la réserve naturelle de Sklenio. Si on a de la chance, on pourra voir des alouettes lulu, des piques noires, des merles à plastron et même des hérons cendrés. C'est ça les ours ? Et oui, bonhomme, lorsque l'on se balade à Andenne, on trouve toujours une référence à l'ours. La légende raconte qu'enfant, Charles Martel, le grand-père de Charlemagne, aurait terrassé un ours qui terrorisait la région. Depuis, l'animal est l'emblème de la ville. Eh ben dis donc, on y va quand ? En Wallonie, tout est tout près de tout, tout est tout près de vous. Rendez-vous sur visitewallonia.be pour préparer votre prochaine sortie en famille. Visite Wallonia, tout pour s'évader.